بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا أرحم الراحمين شيخ خير شيخ سيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour les énormes bienfaits dont il nous tend pour la preuve de miséricorde et de générosité dont il fait vis-à-vis de nous. Comme on le disait la semaine dernière, il y a quelques jours, quelques semaines, nous nous préparions pour accueillir le mois de Ramadan. Et là, aujourd'hui, on commence à penser à la fin. On pense à la fin du Ramadan. Et oui, puisque nous sommes le 18e jour du mois de Ramadan, plus que la moitié est déjà partie. Le deuxième tiers est quasiment parti. Et il ne reste plus que le dernier tiers. Et ainsi va la vie. La vie est rythmée par le temps, ce temps qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété, a voulu qu'il soit ainsi. Et comme l'a dit l'autre, « Kullu atin qarib », tout ce qui arrive est proche. Il y a quelques semaines, nous avions l'impression que Ramadan, c'est encore loin. Et là, depuis quelques jours, depuis quelques semaines, nous vivons Ramadan. Et là, aujourd'hui, on commence à parler de la fin du Ramadan et après Ramadan. Et ainsi va la vie, ça continue. Nous rappelions la semaine dernière de l'importance de donner à ces jours que nous vivons leur juste valeur. Ces occasions qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous tend, doivent être utilisées à bon escient. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous fait savoir dans un hadith qu'Allah ne cesse de nous tendre des opportunités, des occasions pour nous rapprocher de lui. Alors, il nous appelle à profiter de ces occasions pour que, ou alors, il se peut que nous profitions d'une des occasions qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous tend et qu'à travers cette occasion, nous ne serons plus malheureux. Ici-bas et au-delà. Et parmi ces occasions, qui vaut plus que de l'or, ce que nous sommes en train de vivre. Ces jours bénis que nous sommes en train de vivre. Ce mois de Ramadan qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis de vivre jusqu'aujourd'hui. Le premier tiers est parti. Le deuxième tiers est quasiment parti. Il reste le dernier tiers du mois de Ramadan. Et notez bien, mes frères et sœurs, c'est le tiers le plus important du mois. C'est le tiers le plus important, absolument, du mois. Puisque
C'est dans ce dernier tiers que se trouve la nuit du destin, Laylatul Qadr. Et en réalité, depuis le début du mois de Ramadan, nous sommes à la recherche en réalité de cette nuit, la nuit du destin, la nuit de Laylatul Qadr. C'est comme si on se préparait, jusque-là on se préparait pour accueillir la nuit du destin, Laylatul Qadr. Parce que là, l'occasion de la vie, elle est là. C'est l'occasion de la vie, ce n'est pas l'occasion de l'année, mes frères et sœurs. Ce n'est pas l'occasion de l'année, c'est l'occasion, c'est une occasion de vie. C'est une occasion de vie. S'il est dit que Allah subhanahu wa ta'ala, tout au long de l'année, toute l'année, pendant le dernier tiers de la nuit, il descend jusqu'au ciel le plus proche de la terre et il appelle ses serviteurs. Qui a un besoin envers moi? Qui veut m'appeler? Qui veut me demander quelque chose? Qui veut me demander pardon? Qui veut se repentir? Je suis là pour exaucer toutes ces demandes. Toutes les nuits de l'année, toute l'année, Allah subhanahu wa ta'ala nous gratifie de cette occasion. C'est-à-dire que tout au long de l'année, on peut profiter de cet instant-là où Allah nous appelle. Il nous appelle au repentir. Il nous appelle à le demander, à faire des invocations. Il nous appelle à lui demander ce dont on a besoin, nos besoins ici-bas et au-delà. ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا كما قال صلى الله عليه وسلم حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول ربنا من يدعوني فأستجيب له ومن يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فأغفر له الله يدسان كي أن بزوان qui veut quelque chose et qui me demande pour que je l'exauce, je lui donne ce qu'il veut. Qui a une demande vis-à-vis de moi pour que je lui accorde ce qu'il veut. Et qui veut se repentir, qui veut me demander pardon pour que je le pardonne. Billahi alaykoum. Sincèrement, qui de nous n'a pas de besoin dans sa vie? Qui de nous se suffit lui-même? Qui de nous n'a pas d'inquiétude dans sa vie? Qui de nous n'a pas un besoin, il n'a pas quelque chose dont il aspire à voir? Que ce soit quelque chose qui est lié à cette dunya, à ce bas monde, ou à la miséricorde, ou à quelque chose qui est lié au jour du jugement dernier, l'akhira. Qui de nous n'a pas ce besoin? Et dites-moi sincèrement, qui de nous n'a pas besoin de revenir à Allah pour un péché qu'il a commis? Qui? Personne. Personne ne se suffit lui-même. Et nous avons tous besoin de nous faire pardonner. Parce que nous sommes de nature à commettre des péchés jour et nuit. Il nous l'a dit dans un hadith qudsi. Ya ibadi, ô mes serviteurs, vous êtes tous en train de commettre des péchés jour et nuit. Alors, demandez-moi pardon, revenez vers moi pour que je vous pardonne. Innakum tukhti'una bil-layli wan-nahar wa ana aghfiru adh-dhunub fastaghfiruni aghfir lakum. Vous êtes en permanence en train de commettre des péchés. Et demandez-moi pardon, revenez vers moi pour que je vous pardonne. Entre nous, vous qui me suivez aujourd'hui, à l'instant même, ne serait-ce si ce n'était pas par miséricorde qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous couvre, il nous couvre vis-à-vis par rapport à nos péchés. Nous savons tous que nous commettons des péchés. Certains péchés, il n'y a que Allah qui les connaît, qui est au courant de ce qui se passe. Et là, il nous demande, de par sa miséricorde d'abord, il nous couvre. Il nous couvre. Il ne nous montre pas nos péchés.
Parce que si les péchés avaient une odeur, si les péchés avaient une odeur, personne ne se rapprocherait de nous. Personne ne se rapprocherait de toi. Personne ne se rapprocherait de moi. Parce que nous en commettons tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais par sa miséricorde et par sa sagesse, il nous couvre. On le désobéit, il nous couvre. On le désobéit, on fait des erreurs, on fait des fautes, il nous couvre. Nous le savons bien. Et nous avons l'occasion de nous faire pardonner de manière définitive, sans qu'il nous le dévoile le jour du jugement dernier. Mais il faut faire le jeu. Il faut revenir vers lui et il faut lui demander pardon. Donc, si Allah nous tend cette occasion tout au long de l'année et il nous dit encore plus, فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّكُمْ فِي الثُّلُثِ الْأَخِيرِ مِنْ رَمَضَانِ, que pensez-vous de sa grâce et de sa miséricorde encore pendant ce mois de Ramadan et encore plus lors de ces 10 derniers jours que nous apprêtons à vivre? Alors qu'il nous dit, c'est les meilleures journées, c'est les meilleures nuits du mois de l'année. C'est le meilleur mois de l'année que nous sommes en train de vivre là. Si en dehors de ce mois, il fait preuve de cette immensité dans sa miséricorde et sa sagesse, que pensez-vous de ce qui va être, de ce qu'il va montrer et ce dont il fera preuve vis-à-vis de nous pendant ce mois de Ramadan? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui connaît le mieux Allah, il connaît mieux Allah que quiconque autre. Ça, c'est une chose. Deuxième élément, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le plus grand adorateur. Deuxième chose. Troisième élément, Allah lui a dit qu'il lui a pardonné tous ses péchés, antérieurs et postérieurs. لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. Allah lui a fait savoir qu'il sera le premier à accéder au paradis. Allah lui a fait savoir que c'est... Il lui a pardonné. Avec tout ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait preuve d'une grande attention lors de ces 10 derniers jours. On nous a dit... Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pendant le mois de Ramadan, était un parfait, était un excellent adorateur. Il était un parfait et un excellent adorateur. Et pendant ces 10 derniers jours, il faisait encore mieux, il faisait encore plus. Si celui qui a été pardonné, toutes ses fautes, si celui qui va accéder le premier au paradis, il l'a su alors qu'il était vivant, il a fourni autant d'efforts, c'est pour nous donner un exemple. C'est pour nous montrer le chemin à suivre. C'est pour cette raison. Il est dit, « Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yajtahidu fi Ramadan wa kana يجتهد أكثر في العشر العشر الأواخر من رمضان. Il fournissait d'énormes efforts pendant tout le mois, et quand arrivaient les 10 derniers jours, les 10 dernières nuits de Ramadan, il fournissait encore plus d'efforts qu'il ne l'a fait lors des deux premiers tiers. Pourquoi, à votre avis? Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose à gagner pendant ces 10 derniers jours. Il y a un trésor pendant ces 10 derniers jours. Et ce trésor, c'est Laylatul Qadr. Figurez-vous, Laylatul Qadr, quand vous adorez Allah pendant cette nuit, c'est plus que 83 ans d'adoration non-stop. C'est plus que 83 ans d'adoration non-stop. C'est pour ça que je disais que c'est l'occasion de la vie. Ce n'est pas l'occasion de l'année. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, من حرم خير ليلة القدر فقد حرم الخير كله ولا يحرم هذا الخير إلا المحروم.
celui qui est privé des bienfaits et de la miséricorde qu'il y a dans cette nuit, pendant cette nuit, il aura raté sa vie. Ce n'est pas l'année, il aura raté sa vie. Parce que vous et moi, nous n'avons aucune garantie, nous n'avons aucune connaissance quant à notre présence ici l'année prochaine. Je le disais la semaine dernière, il y a des gens que nous connaissons et certainement chacun de nous a connaissance de quelqu'un qui était parmi nous l'année dernière. Cette année, il n'est plus là. Soit il est décédé, soit il est alité dans un lit d'hôpital, soit il ne peut plus. Il ne peut plus. Toi et moi, on a cette occasion de encore profiter. Encore profiter. Si nous ne profitons pas, nous aurons vraiment dénaturé ou dévalorisé chose qui pourrait être la base de notre salut. Alors, Laylatul Qadr se trouve lors de ces 10 dernières nuits. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne quelques détails. Il tamisouha fil ashr al awakhir. Cherchez Laylatul Qadr pendant les 10 dernières nuits. D'accord? Et il nous donne un autre détail en disant que Laylatul Qadr se trouve dans les nuits impaires, les dernières nuits impaires, à partir de la nuit de 20, les nuits impaires, 21, 23, 25, 27, 29. Les nuits impaires, Laylatul Qadr se trouve là. Alors, c'est pas très intelligent d'attendre une seule nuit, laisser passer toutes les autres nuits et attendre une seule nuit pour dire que je cherche Laylatul Qadr. Parce que dire que Laylatul Qadr, c'est la nuit du 26 à 27, ce n'est pas une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est des efforts, c'est des ijtihads de quelques savants, voire de quelques sahaba, ou de quelques savants contemporains, ou de quelques savants anciens. Mais de manière authentique et sûre, on n'a pas la certitude que Laylatul Qadr, c'est absolument cette nuit. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'il n'a pas eu connaissance exacte de la nuit du destin, toutes les dernières nuits du mois de Ramadan, il veillait en fait. Kana idha dakhala al-ashr shadda mizara wa ayqadha ahla wa ahya layla. Quand ces 10 dernières nuits arrivaient, bien qu'il priait toute la nuit lors des deux premiers tiers, bien, là, il redoublait encore plus d'efforts. Il réveillait sa famille pour prier avec eux et il blanchissait la nuit. Dans le sens, il passait toute la nuit à faire des adorations lors de ces 10 dernières nuits. Et c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui fait ça. Nous sommes en phase de vivre les meilleures nuits de l'année. Et ça pourrait être les meilleures nuits de notre vie. Et bien sûr, si nous profitons et que Allah, nous profitons pour demander le pardon, la miséricorde d'Allah et qu'il nous l'accorde, c'est finalement les meilleures nuits de notre vie. De loin, puisque finalement, qu'est-ce que nous cherchons? Notre présence ici sur terre, c'est pourquoi? C'est pour œuvrer. C'est pour œuvrer et que après la mort, que nous soit réservé la miséricorde et le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, mes frères et sœurs, nous avons en face de nous l'occasion de notre vie. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, toutes les nuits, il faut faire des prières nocturnes. Ne laissez pas passer une seule nuit sans faire des prières. Si vous pouvez faire que 2 rak'a, 4, 6, 8, si vous pouvez faire plus, 10, 20, et ainsi de suite. Le maximum, il n'y a pas de limite. Ça, c'est à faire. Autre chose, réservez un petit moment de votre nuit, lors de ces dernières nuits, pour lire le Coran. Lisez le Coran toutes les nuits. La lecture du Coran, se rapprocher vers à Allah, à travers le Coran est une des plus grandes et meilleures adorations. Donc, prier la nuit,
lire le Coran pendant les nuits, faire beaucoup de zikr, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahi alhamd, subhanallah al-azim, subhanallah wa bihamdi. Des zikr comme ça. Des zikr comme ça. Réservez un petit moment de votre nuit pour faire du zikr. Zikr, c'est évoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Troisième élément. Quatrième élément, réservez un petit moment de votre nuit pour faire des du'as. Beaucoup de du'as. Beaucoup de du'as. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne l'invocation par excellence à faire lors de ces 10 dernières nuits en recherchant la nuit du destin, Laylatul Qadr. C'est de dire quoi? Ya Allah, tu es le pardonneur, généreux. Je te demande de faire preuve de pardon et de miséricorde vis-à-vis de moi. Pardonne-moi. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'afu anni. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'afu anni. Son épouse Aïcha lui pose la question, ya Rasulallah, qu'est-ce que je dois faire alors si je veux adorer Allah lors de cette nuit de Laylatul Qadr? Si je trouve Laylatul Qadr, qu'est-ce que je dois dire par excellence? L'invocation par excellence, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, dis Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'afu anni. Ya Allah, tu es pardonneur et tu aimes pardonner. Je te demande de me pardonner. Donc, réservons un moment de notre nuit, des dernières nuits, toutes les nuits, pour faire des du'as. Faites des du'as pour vous. Faites des du'as pour vos proches. Faites des du'as pour vos frères et sœurs. Faites des du'as pour la communauté. Faites des du'as qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte nos œuvres et qu'il guide ceux qui sont égarés. On fait des du'as pour ceux qui ne sont pas sur la voie, pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur permette de connaître la vérité et de suivre la vérité pour qu'ils soient pardonnés. Donc, beaucoup de du'a. Ce n'est pas tout, mes frères et sœurs, parce qu'il faut multiplier les bonnes actions lors des dernières nuits. Je vous propose de faire quoi? De renouer avec les liens familiaux, les liens de parenté, les liens de fraternité. Si tu as quelqu'un de ta famille que tu n'as pas eu ses nouvelles depuis un moment, prends ton téléphone, appelle-le. Tes parents, si tu peux les visiter tous les jours, va les visiter. C'est une très grande adoration. Si tu ne peux pas les voir, appelle-les, prends leurs nouvelles. Si tu as quelqu'un avec qui tu as rompu la parole, c'est le moment. Parce que les adorations, les actes d'adoration de deux personnes qui ne se parlent pas restent suspendus jusqu'à ce qu'ils renouent la relation. Quelqu'un il t'a fait du mal, pardonne-le, appelle-le, fais-lui savoir que tu as pardonné. Tu as fait du mal à quelqu'un, appelle-le, demande pardon. Cela ne fera que te grandir en fait. Ça ne te diminue pas. L'humilité, man tawadda'a lillahi rafa'a, celui qui fait preuve d'humilité pour Allah, pour avoir la satisfaction d'Allah, Allah va le relever. Si tu as fait une erreur, tu as commis quelque chose de bien, un préjudice vis-à-vis de quelqu'un, ne sois pas gêné. N'aie pas l'orgueil d'aller lui demander pardon. Donc, les liens de parenté, de fraternité, renouons-les, essayons de les développer lors de ces dernières nuits. Dernier élément que je vous propose de faire lors de ce dernier tiers, et éventuellement, pourquoi pas tous les jours, c'est une organisation, c'est de faire preuve de générosité et de partage. Nous avons des gens qui sont très vulnérables, qui sont dans la précarité, qui avons besoin de nous. Faisons preuve de partage du peu qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné. Sachant que cet argent qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis d'avoir, il peut être peut-être le moyen pour nous d'accéder au paradis. C'est peut-être pas ton jeûne qui va t'amener au paradis. C'est peut-être pas ta prière qui va t'amener au paradis. C'est peut-être pas tes invocations, parce que peut-être qu'il y a un manque de sincérité. C'est peut-être ton aumône, ton partage, ta générosité. C'est pour cela qu'il ne faut pas se limiter à une seule forme, à une seule adoration.
Il faut multiplier les bonnes actions pendant ces 10 derniers jours et espérer qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse nous permettre de vivre Laylatul Qadr et d'espérer d'avoir l'énorme miséricorde qui découle de cette nuit de valeur, car c'est la nuit la plus valeureuse, la plus importante de toute l'année. Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde sa grâce et sa miséricorde. Qu'Allah accepte nos œuvres, qu'Allah nous permette de revenir vers lui avec un repentir sincère, qu'il pardonne nos péchés majeurs et mineurs et qu'il nous permette, après Ramadan, de redevenir comme le jour de notre naissance en termes de nos péchés. Allahumma amin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiu al-alim. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.